3h du matin, tout ce qui fait la danse a pris possession du temple du carnaval. Quand l'ambiance bat son plein, au plus fort de la nuit, l'alcool est devenu le compagnon de certains, touloulous et cavaliers. Aux côtés des rafraîchissements, whisky, champagne et autres rhums confèrent tout son charme au bar. Est-ce que vous pensez que vous avez trop bu? Je dirais un petit peu. Là, ça va? Vous pouvez prendre le volant et repartir chez vous, là? Malheureusement, j'ai pas de permis. J'habite à Kourou, donc je suis obligé de respecter, boire une coupe ou deux coupes, et puis c'est bon. Et après, on transpire, donc après, c'est bon. Et avant de partir, je me suis déboulé, je regarde mon taux d'alcoolémie, si c'est OK, je prends ma route. Vous buvez modérément? Oui. Ça vous arrive de refuser un verre de trop? Qu'on a fait ça. On n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Pour lui et puis pour le Dongxin aussi. Mouché Déboulé, dont la présence rassure, n'enregistre pourtant à 4h30 que 7 tests, mais ils sont positifs. Ça fait pas longtemps que j'ai bu, sinon après c'est que de l'eau, du jus, parce que fait chaud. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer? Vous n'avez bu qu'un verre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer au centre de Mouché Déboulé? Parce que, non, juste pour tester l'alcoolémie, c'est tout. Parce que même si je ne conduis pas, je suis que passager, mais faut essayer. Que de l'eau. Allez, à soirée. Non, si vous n'aviez bu que de l'eau, ça ne serait pas positif. Mais demande-la. C'est que de l'eau. Oui, mais le test est positif. Ça veut dire que vous avez bu un peu d'alcool. C'est pas positif. Mais deux bières, c'est tout. Deux bières, c'est pas que de l'eau. Mais que de l'eau, enfin, c'est de l'eau pour nous. C'est la fête, on boit, mais ils ne se rendent pas compte justement que la dose monte très vite. Et le taux d'alcoolémie est élevé, donc voilà le résultat. Donc il faut qu'ils fassent attention. Ils vous disent qu'ils vont se faire conduire ou qu'ils vont appeler quelqu'un, mais est-ce que vous vérifiez qu'ils ne prennent pas quand même leur véhicule? Non, je ne pense pas. Là, c'est des groupes d'amis et certains, justement, l'ont déjà dit. Il y a eu un près de nous qui a appelé son épouse pour venir le chercher. Et on a envie de croire que celui qui conduit ne boit pas et que c'est en toute sécurité que chacun rentre à la maison. Le touloulou qui conduit n'a pas bu non plus. Du Perrier seulement. Et ça, c'est important pour que la fête soit complète? Sinon, c'est pas moi qui conduis. Sinon, ça sert à rien. Elles me font confiance jusqu'au bout.